La gratitude, c'est un beau sentiment humain. Béni soit celui qui sait remercier. Et grande est la dette lorsqu'elle est envers Dieu. Si je commence ainsi, c'est parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une très grande œuvre musicale qui tout le monde aime, et de son compositeur. Il est né à la ville de Halle, en Saxe, ce qu'est aujourd'hui l'Allemagne. Je parle de Georg Friedrich Händel. Il est mort à Londres. À son jeunesse, il était un virtuose du violon et de l'orgue. Plus tard, il est parti en Italie pour s'imprégner de l'opéra italienne. Et à l'âge de 27 ans, il est parti à Londres pour continuer son œuvre et son travail musical. Pendant plus de 30 ans, les nobles européens lui ont commandé des œuvres musicales, des signes pour couronnement, des oratoires, des opéras, des symphonies, musique pour des occasions spéciales, telles que ses œuvres Firework et Water Music. Mais avec le temps, son art se démode. Et lorsque son principal mécène est décédé, la reine Caroline, épouse du roi anglais George II, l'a laissé sans revenus importants que d'elle recevait. Accablé par une situation économique précaire, il souffrit en 1737 un accident vasculaire cérébral que le rend hémiplégique. À cette époque, les médecins conseillaient dans ces cas des bains thermaux dans les eaux bouillonnantes de la ville allemande de Aix-la-Chapelle. Le conseil était de ne pas être plus de 3 heures par jour dans ces eaux. Et Händel, dans son empressement à retrouver sa santé, l'usage de la moitié de son corps et surtout de ses mains pour pouvoir continuer à jouer de la musique, passa même jusqu'à 9 heures dans ses eaux bouillonnantes. Il parvient bientôt à guérir et à retourner à Londres, où sa vie de compositeur reprend. Mais 4 ans plus tard, en raison des ragots des autres compositeurs concurrents, en raison des problèmes avec les sopranos, en raison des demandes pressantes des créanciers et en raison d'un soudain manque d'inspiration, Händel est à nouveau aux portes de l'enfer. Comme si cela ne suffisait pas, il se livre au bras d'un faux ami, l'alcool, qui ne résout pas les problèmes, mais les augmente avec son sourire macabre. La nuit, il ne pouvait pas dormir. Il se promenait dans les rues vides de Londres, tourmenté, et parfois avec l'idée de sauter d'un des ponts à la Tamis pour mettre fin à ce martyr. Une nuit d'août de l'année 1741, déprimé, sous l'influence du mauvais ami, il arriva chez lui. Un petit paquet l'attendait sur la table, sur laquelle il reconnaît l'écriture du poète Charles Jennens, qui avait collaboré avec lui dans le passé en écrivant les paroles des oratoires « Saoul » et « Israël en Égypte ». Il se laisse emporter par un horrible accès de colère. Comment est-il possible que l'être humain soit si méchant et se moque d'une âme en souffrance? Lui qui avait été flatté, aimé par les grands de ce monde. Après les moments d'obscurcissement, il ouvre le paquet et la première chose qu'il trouve sont les mots « Conforge » en vieux anglais, ce qui signifie que « Soyez réconforté ». Jennens avait écrit ses poèmes en s'inspirant des passages du Nouveau et de l'Ancien Testament, en particulier dans les écrits d'Isaïe, annonçant l'arrivée d'un Messie pour la rédemption du monde. Ses premiers mots
incite le compositeur à lire un peu plus. Et lui, qui avait failli nier Dieu pour lui avoir donné la renommée, la gloire et l'inspiration des sommets perdus, trouva dans ses poèmes des mots qu'il y était comme adressés à lui-même en personne. L'espoir est réapparu et la confiance en Dieu a été rétablie. L'oratoire est une œuvre musicale pour la voix humaine, comme l'opéra, mais avec le détail de que, comme il traite des thèmes religieux, il n'y a pas de scénographie ou de costumes spéciaux, ni les chanteurs sont en mouvement. Ils sont immobiles et habillés de vêtements d'occasion. Handel était de ce type de compositeur que lorsqu'il ressentait l'inspiration, passait de longues heures au travail. Mais dans le cas de cette œuvre en particulier, la fièvre créatrice était beaucoup plus intense et accablante. Pendant 24 heures, il a composé intensément, sans manger ni dormir. Il travaille sur cette œuvre monumentale dont l'interprétation prend plus de 2 heures. Elle nécessite un orchestre, 4 solistes et un grand chœur. Une fois le travail terminé, il est tombé dans un rêve soporifique dont on ne pouvait pas le réveiller et qui a duré 17 heures. Après quoi, il s'est réveillé pour marcher, boire et savourer joyeusement de ce qu'il avait composé. À Londres, sa réputation était gravement endommagée. Alors, il a présenté son oratoire, qu'il appelait le Messie, à Dublin, au Great Music Hall. L'attente dans la ville était immense. Tout le monde parlait de la magnificence du travail, au point qu'à travers la presse, on demanda qu'avant l'énorme quantité de public attendu, le chevalier était invité à venir sans épée et les dames avec des jupes étroites pour faciliter une plus grande place dans le théâtre. Il faut comprendre qu'à cette époque, les théâtres n'avaient pas de sièges comme dans nos jours et qu'ils appréciaient les spectacles debout. Le succès a été immédiat et retentissant. En quittant le théâtre, les spectateurs savaient qu'ils avaient été témoins de quelque chose d'historique et hors de commun. La nouvelle a volé à Londres, où la première a été bientôt fixée pour la capitale du royaume. Cette présentation a été en présence du roi George II, veuf de l'ancienne protectrice de Handel. La fin de l'oratoire est donnée par une magnifique pièce appelée Alléluia, qui est la plus connue aujourd'hui. Devant la ferveur et la magnificence de cette œuvre musicale, au moment de l'interprétation de l'Alléluia, le roi George II s'est levé et après lui, l'ensemble du public de la salle. Depuis lors, la tradition veut que lorsque les premiers accords de l'Alléluia commencent, le public s'élève en l'honneur de Handel et de celui qui l'inspirait. Bien que le Messie fût présenté en première le 13 avril 1772, un vendredi saint, les temps et la coutume fait que le Messie soit interprété dans les églises, les théâtres et les grands centres de concentration, non pas pour la résurrection du Seigneur, mais à l'avant, dans les festivités pour fêter la naissance du Christ.
Handel n'a touché jamais un seul sou des droits d'auteur pour les interprétations de son Messie. Il voulait que tout l'argent aille aux institutions de bienfaisance et aux prisons. Son allégat était simple. J'étais malade et j'étais guéri. J'étais prisonnier et j'étais libéré. Bon, n'est-ce pas? Si mon émission d'aujourd'hui vous a plu, comme d'habitude, je vous prierai de bien vouloir vous abonner, de dire à vos amis, de faire clic dans la petite cloche. Et ainsi, je vous remercie encore une fois et à la prochaine.